Alors, j'en étais ousk. Il y a peut-être de nouvelles quêtes? Pas du tout. Alors, direction. Bah, j'ai pas trop le choix, faut que je retourne à la forêt de corail. Ah ouais, donc en gros, l'autre, il me servira plus du tout. Je suis censé avoir 8 personnages, là, j'en ai que 7. Parce qu'il veut pas participer, l'autre Gugus, là. C'est quoi ces machins, là? Ah, je crois que je peux y aller maintenant. Je vais aller jeter un œil. Alors, faut que j'aille vers l'ouest. Par là. Je crois que c'est là où il y a du lierre. Ici. Putain, j'arrive pas à m'accrocher. Ah d'accord, c'est juste un raccourci en fait. En fait, j'ai piraté le machin. Peut-être le coffre, on pouvait pas l'avoir de manière... Enfin, on pouvait pas l'avoir avant d'avoir les gants pour escalader. En tout cas, dans la tête des développeurs. Mais comme j'ai utilisé ça là, je crois, pour monter. Hey. Du coup, ça a dû disparaître sur la carte, non? Ah non. Pourquoi ça disparaît pas, ça? Il y a autre chose, en fait? Les points d'interrogation... Vert, enfin ils sont pas verts, mais avec les cuissons verts, Kuro. C'est un truc en particulier ou. Ah bah si, je vois là. Ah non, c'était ça, d'accord. Ah bah je vais pouvoir y aller maintenant. Tiens, ça c'est bien utile pour faire tomber des trucs, cette tornade. Des gros rochers sont entassés et bloquent le chemin. Le nombre d'habitants au village des naufragés est insuffisant. Ok, il en faut combien du coup? 11. D'accord. Bah, du coup, je retourne par ici. Allez-y. Et on part vers l'ouest. Ouais, je crois que c'était par là. Hein. Il y avait le boss, effectivement. C'est des événements en général? D'accord. Une truite. Vous avez eu des coupures sur le live au fait? Je sais qu'il y en a eu tout à l'heure, mais depuis tout à l'heure. C'était au début que t'en as eu, Pépèche? Un peu? Ok, ça marche. Parce que j'ai vu beaucoup d'images perdues par contre. Mais je sais pas si ça s'est calmé depuis tout à l'heure. J'ai pas trop suivi le truc. Putain, mais sur quoi il tape hein?
Juste des chargements? D'accord. Je sais pas trop en fait comment ça se passe pour le logiciel quand j'ai des pertes d'image. Si ça reprend là où ça a coupé ou si c'est définitivement perdu en fait. Faire ce bout, hein. Mais sur un crustacé comme ça, il est tellement utile, lui. Faudra pas que j'oublie le coffre que j'ai pas réussi à avoir. Je sais plus où il est, d'ailleurs. Bah c'était par là je crois hein. J'ai pas trop le choix. Et il a eu le temps de me taper lui. Ah oui, je m'étais arrêté par là, j'avais ramassé le coffre en dessous. Enfin, je veux dire, j'étais tombé dans le vide devant un coffre. Ouais, il y a encore quelques images qui sautent. Mais ça doit pas être perceptible. Bonne nuit Pépèche, bonne soirée et puis bonnes vacances ma foi. Hein. Alors il est censé avoir un coffre ouais, en dessous. Mais d'accord, il y a un chemin en bas. On va peut-être aller jeter un œil. Alors le problème de cette technique, c'est qu'après, c'est compliqué d'esquiver. Ah merde, je vais pas faire celle-ci, c'est pas grave. Voilà, ça marche pas mon astuce. Je peux pas aller dans la flotte ici. Je suis obligé de faire le tour. Même pas, je peux pas. D'accord. Bon, c'est juste pour pêcher en fait.
Orphi, c'est un nouveau poisson ça. Toi t'es en vacances le 9 novembre Nanato, tu pars quelque part? Une cape rouge. Augmentation des dégâts à mesure que les PV diminuent. Je suis pas trop fan de ce genre d'accessoire, mais là, comme il est gratuit, on va peut-être même le mettre à lui. Faudrait que je lui en fasse un accessoire à lui. Quand même. C'est la sortie de Cyberpunk, il me semble. Et donc. Salut Doux Nuage, comment vas-tu? Ça va pas mal, merci de nuage. Je crois que je vais t'appeler nuage si ça te dérange pas. Ah mince, j'étais sûr que j'allais me faire avoir, purée. Je les ai vus les brindilles. Si ça te pose pas de problème, ça me va. Oula, la caméra s'est affolée là. Alors, que je me fasse pas avoir. Est-ce que je peux traverser en fait par là? Ouais, je peux en fait. Une recette, super. Est-ce qu'il faut la prendre? Je pense que oui. Impec. Salut Zenko, les RPG c'est toi. Personnellement, je me suis renseigné sur ce jeu, il est vrai qu'au niveau gameplay ça doit être énorme, mais ce qui m'empêche d'acheter, c'est son graphisme. Ah, tu devrais pas, moi aussi, je t'avoue qu'au début, les graphismes, de ce que j'en avais vu, hein, ça m'avait un petit peu calmé dans le sens où bah, je trouvais ça pas ouf. Et après tout, c'est un portage PS Vita, donc ça s'explique. Mais honnêtement, ne t'arrête pas là-dessus, hein. Ça reste quand même relativement propre, et puis niveau RPG, on n'est jamais très gâté niveau graphisme. À part des grosses productions comme bah, FF7 Remake dernièrement. Il n'y a pas de jeu exceptionnellement. Généralement, ils sont en retard graphiquement. Hein. Niveau technique, c'est pas trop ça les RPG. Il y a plein de trucs à l'écran là. Clac. Bonne nuit Nato. Ah
Alors, on a un passage par là. Mince. Je voulais pas le prendre, mais bon. D'accord, ça débloque un raccourci, j'ai l'impression. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Pas totalement, j'ai l'impression. Si, je suis déjà venu là. Putain, c'est quoi cet endroit? Ah, si, je sais. En fait, j'étais en dessous, moi. Donc, on va pas y aller tout de suite. Je vais juste jeter un oeil là-haut. En fait, il y a des news sur FF7, par exemple, des mises à jour. Alors, je t'avoue, j'ai pas suivi le truc, donc je sais pas. Mais tu parles de l'épisode 2 ou des mises à jour du... Enfin, du premier épisode. Alors, par là, on va vers le nord. Donc, en fait, on va quand même au niveau de la suite. Non, du coup, je vais commencer par là. Pour le moment, je peux pas vraiment me prononcer nuage sur l'histoire, tout ça, puisque j'en ai pas vu assez, évidemment. C'est pas encore tout à fait en place. Mais je pense qu'elle doit être assez chouette. Déjà celle de Disorigin, alors que c'est un jeu relativement court et tout ça, m'a vraiment bien plu. Je pense que celui-ci, le scénario va être bien plus élaboré. Puis ça change un petit peu l'histoire du naufrage, tout ça, je trouve ça sympa. Avec le petit camp à développer en trouvant des survivants. Je les aime pas ceux-là avec les carapaces, hein. En fait, je devrais peut-être un peu me soigner. De l'épisode 1, ah, je sais pas, Az. Bon, il n'y a rien d'autre ici, ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Je crois qu'il y avait un autre coffre. Il y en a deux autres. Il y en a peut-être qui sont en dessous. Ouais, il y en a un là par exemple. Ah, c'est chiant comment je remonte après. Il y a peut-être une vie à nouveau. Pas du tout, ça veut dire que si je descends là, je suis obligé de refaire le tour pour remonter. Je vais voir si l'autre, je peux l'avoir. Et ensuite revenir ici. Après, il y a deux personnes qui sont souvent sur les lives nuages, qui sont Kuro et Cloud. Ils ont fait beaucoup beaucoup d'RPG, plus que moi je pense, en tout cas pas les mêmes. Et généralement si eux disent qu'un jeu il est bon, en termes de RPG j'entends, tu peux y aller les yeux fermés. Hein. Et celui-ci m'a été conseillé justement. T'aimerais qu'ils enlèvent leur fin bizarre à la Kingdom Hearts, Az? Non, ils l'enlèveront pas. Tu verras que ça va prendre tout son sens dans le prochain épisode. Tiens, des gants de voleur, c'est quoi? C'est un équipement... comment ça s'appelle? Un outil d'aventure, c'est ça que je cherchais? Pas du tout. Ça fait quoi ce truc? Petite augmentation d'objets récupérés. C'est bien ça.
Du coup, il y avait un autre coffre à récupérer. Ouais, je m'y retrouve plus là. Si, y en a qu'un en fait. Hein. Celui que j'ai laissé là-bas. Ah, par contre, faut que je fasse gaffe, c'est là où je suis tombé tout à l'heure. Non, putain, pourquoi je suis tombé? Je sais même plus comment je suis arrivé là d'ailleurs. De toute façon, je dois avoir un chemin un petit peu plus court, je présume, j'espère. J'espère, truc de ouf, 10 ans que l'on attend. T'inquiète pas. Non, non, Koro, je parlais juste des RPG que généralement tu conseillais et que ce Cloud conseillait. Bah, que c'était des valeurs sûres. Hein. Je devrais pas faire ça là. Je sais même pas si c'est par là, je suis en train de monter là. Je me souviens plus. Je l'avais pas encore essayé celui-là. Allez! Ça met les points sur les i ce truc. Hein. En fait d'ailleurs je peux rajouter un truc vis-à-vis des aspects techniques des RPG. C'est vrai que généralement le moteur il est en retard. Par contre, on a très souvent le droit à une fluidité assez exceptionnelle. Et moi, je sais pas pour vous, mais je préfère jouer en 60 FPS qu'avoir des graphismes de fou et jouer en 30. Parce que j'ai beaucoup joué sur PC et la différence, on la voit. Évidemment, quand on joue que sur console, que ce soit en 30, en 60, on n'a pas vraiment l'habitude parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont faits en 60 sur les gènes actuels. Évidemment, ce sera le cas... sur la prochaine génération, mais j'espère en tout cas. C'est pas dit parce que vaut mieux pas s'avancer là-dessus. Mais je préfère vraiment un jeu plus fluide, quoi. Je dis pas que tous les RPG l'offrent, mais généralement ils sont en 60 FPS. Et ça, c'est cool. Je vais pas faire comme tout à l'heure, sinon je vais tomber. T'aimes pas ça, Ad? Ouais, ça va, il déboîte bien. Il est bien contre les crustacés, quoi. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? J'espère qu'elle est pas en train de faire ses écailles sur le fond vert. Putain, je me suis fait encore avoir. J'ai pas réussi à sauter. Attends. Mais merde, il y a un ennemi que je vois pas, d'accord, il y a un poiscaille en fait. Oh, j'en chie là, il me saoule lui.
Alors. Putain, la caméra là, je l'ai mis en PLS, hein. Bon, je vais me barrer parce que je vais crever bêtement. Alors que je voulais juste récupérer un coffre à l'origine. C'était par où, je sais même plus en fait du coup. Il est trop lent dans ses attaques. Ouais, en fait faut jouer plus stratégique avec Saad. Parce qu'il faut prévoir les coups que tu peux prendre. Ah, on est en train de gratter je sais pas quoi là. On verra les dégâts après. Dès que c'est l'heure de bouffer, en fait, elle essaye d'attirer mon attention. Donc elle fait des conneries. Comme ça, ça m'oblige à me lever. Et après, je suis obligé de lui donner à bouffer. Sauf que non, tu gagneras pas. Le coffre, c'était là en fait. Non, en fait, elle fait quasiment pas de conneries pour jusqu'à maintenant. Bon, si elle m'a cassé un verre parce qu'elle a poussé une bassine en fait dans l'évier. Donc c'est pas vraiment elle qui a cassé le verre, c'est la bassine, mais. Elle en est responsable. Au-delà de ça, elle fait jamais de conneries en fait. Pour le moment, ça va peut-être arriver. Hein. Ce serait normal d'ailleurs que ça arrive. Alors, c'était ça que je voulais. Une amulette. Qu'est-ce qu'elle fait cette amulette? Atténue l'effet du poison. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Sauf sur un ennemi qui fait que ça, je pense. Du coup. On se téléporte, ça ira plus vite. Voilà. Et puis ça reste aussi Saad. Et on peut poursuivre. J'aime bien les sauts en courant. J'ai l'impression de me trouver dans Dragon Ball Z. En fait, t'as fait ça parce que je lui donnais plutôt à bouffer quand ma mère était là. Alors d'habitude, je lui donne vers 23h, 23h30, comme ça. Déjà, je suis tranquille pour la nuit. Puis, pour l'habituer, quoi, tout simplement. Hein. Elle a pris une mauvaise habitude. Va falloir que je repousse de nouveau à 23h par là. 10 minutes par 10 minutes, comme ça elle évoque 10 feux. Après elle est pas chiante, hein. Elle miaule pas comme une dingue quand elle a la dalle. En plus elle a même pas la dalle, elle a ses croquettes mais... Là, c'est le petit plaisir du soir, la pâtée, quoi.
si nous on se fait des petits kiffs, faut bien qu'eux aussi ils aient une vie à peu près correcte quoi. C'est un chat malin, ouais. Tous les chats sont malins. Par contre, si je l'appelle pendant qu'elle sait que c'est l'heure, hein, alors là, c'est la fin des haricots. Hein. Impeccable. Hein. Je sais pas pourquoi je m'attarde ici, je pourrais avancer un peu là. Donc ce sera pas perdu mais... Allez on y va. Je te vois, t'as le bête. Ah, c'est vrai, je dis c'est la fin d'Arico. Non, j'ai voulu aller trop vite. Oh, c'est très mal fait. Par contre, j'ai trouvé un coffre dans ma connerie. C'est une bonne consolation. Je m'embête en fait. Je suis pas revenu en arrière là. Je suis en train de me perdre un peu là. Non, c'est bon. Enfin, je crois pas. Non, j'avais tourné ici pour récupérer les coffres. Donc on est bon. Cette fois-ci, c'est par là. Ah, de nouveaux objets. Ce manque de musique, ça m'inspire pas confiance. Ah ouais, d'accord. Un caméléon. Un rhinoléon. L'ermite de la forêt silencieuse, Clarion. Je suis en train de me faire un peu de temps.
Comment il se déplace, c'est chelou. Oula, putain, il balance des attaques d'ouf lui là. Ça fait mal. Je veux voir ses attaques un peu. Wow, le canaillou va. En fait, faut que je fasse ça. Trop tôt. Problème de perspective. Merde. J'ai un poison, j'avais pas vu. C'est pas mal ça. Oh. Salaud. Putain. En fait, ils vont faire le boulot, hein. Ah, j'avais pas prévu ça en fait. J'aurais peut-être dû sauter direct. Ça aurait peut-être été plus simple. Enfin, jusqu'à maintenant, non, c'était pas très compliqué. Mais il a deux barres de vie, d'accord. Ils sont bien faits les boss quand même. On n'est pas loin du naufragé, de la naufragée. Ah oui, là faut prendre l'action. Au fait, ce mode difficile alors? Bah ça va, je trouve que c'est bien dosé effectivement. Kuro, t'as bien fait de me dire de mettre ça. Bah évidemment de temps en temps c'est un peu chaud, mais bon ça va. Il y a pire comme mode difficile, on va dire. Ah, une nouvelle note. Mes connaissances de base, aussi bien en chasse qu'en pêche, m'ont donné au fur et à mesure la confiance pour survivre. Cependant, j'ai beau errer sur cette île, je ne trouve rien qui me permettrait de m'enfuir. J'ai essayé de construire des radeaux,
Cependant, la marée est trop rapide pour pouvoir s'éloigner de la côte. Cela veut-il dire que je suis prise au piège? Non, je ne dois pas abandonner. Je suis toujours en vie. Signé T. J'avais pas débloqué une technique en fait. J'ai un doute. Non. Ça devait être un niveau de technique. Il n'y a qu'un seul boss qui m'a fait m'arracher les cheveux et j'ai dû repasser en normal. Ah. De toute façon, ouais, c'est ce que je me suis dit. Si vraiment je galère trop, je repasserai en normal. Je suis pas là non plus pour m'infliger des souffrances, quoi. De toute façon, les RPG, je les fais jamais pour le challenge. Hein. Je les fais parce que c'est le type qui me plaît avec le scénar et tout ça. Et j'aime bien le côté progression. Après, c'est vrai que quand la difficulté est bien dosée, c'est plus sympathique. Ça, c'est sûr. Tiens, tiens. Je peux pas en faire un camp, là? Pas tout de suite, apparemment. Nouveau lieu a été découvert, cool. Une mangue mûre, ça doit recharger plein de PV ça. Bah non, ça a pas l'air d'être Lana là-bas. Hein. On va juste jeter un œil là-haut. Et on va voir ce naufragé. Ouais, à mon avis, il faut être beaucoup pour celui-là. Il y a quelqu'un, sûrement un naufragé. Si j'allais lui parler. Adol et les autres se présentent et expliquent la situation à la femme. Ah, c'était son épée à tous les coups. Ah non, c'est un forgeron. かのようだけど、そのなまくらでは毒に力を発揮できない。そのレイピアはいい品だけど、きちんと歯が入っていないようね。くすんだ剣心からさするに、しまいっぱなしの練習用でも持ち出したのかしら。一瞬見ただけで。あなたの武器は、まるででたらめね。そんなものを振り回し続けたら、 Tu m'étonnes, l'autre il se balade avec une encre, quoi.
Tu as l'air de t'y connaître en armes. Une forgeronne. Cela veut-il dire que l'on peut vous demander de vous occuper de nos armes? Bien sûr, ai-je envie de dire. Cependant, je n'ai aucun équipement. Si j'avais ne serait-ce qu'une forge, je pourrais réparer vos armes. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans l'île, les bêtes deviennent de plus en plus fortes. On ne peut rien avoir de neuf sur cette île de Sérène. Si tu pouvais t'en occuper, ce serait génial, mais... Je me demande si l'on ne peut pas construire une forge au village des naufragés. Adol Christine, pourquoi n'essayeriez-vous pas d'en parler au capitaine et à Doggy? Allez, rentrons vite au village des naufragés. Adol et les autres emmenèrent Catherine avec eux et rentrèrent au village des naufragés. Après quoi, ils discutèrent avec Barbaros et Doggy et décidèrent de construire une forge dans le village. Ils improvisèrent avec les objets issus du naufrage et on décida de préparer un fourneau ainsi qu'une soufflerie. C'est ainsi que la forge de Catherine fut construite. Faudrait qu'ils m'expliquent comment ils ont fait. Ce n'est pas parfait, mais au moins les préparations sont terminées. Le manque de puissance du fourneau peut être amélioré grâce à cet objet. Quelle est donc cette pierre? C'est une pierre de feu, permettant de garder le four à haute température. C'est la seule que je possède, mais cela devrait suffire. Oh, donc on peut enfin... Oui, tout d'abord Adol, commençons par ton épée. La technique amélioration est le renforcement d'une arme pour en faire un objet plus puissant. D'accord. Donc on choisit l'arme qu'on souhaite créer dans le menu de la forge, ça marche, et on synthétise avec des minerais. Adol, voilà ton arme. Voilà des ingrédients plutôt. Voici les matériaux que Doggy m'a confiés, fais un essai avec. Ah oui, le up, il est assez abusé. Épée longue. Cool. Ouais, elle a un peu plus de gueule quand même. Oh, c'est impressionnant. Je suis surprise, elle est à peine reconnaissable. Adol, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que c'est? Je pense l'avoir dit, je ne suis que la fille d'un modeste forgeron. D'ailleurs, c'est le maximum que je peux faire avec le matériel et les composants actuels. Si j'avais plus de pierres de feu, je pourrais améliorer davantage vos armes. Si jamais vous en trouvez d'autres, j'aimerais bien que vous me les apportiez. Ah, bien sûr! Un forgeron, c'est vraiment quelque chose! Oui, nous avions justement de plus en plus de mal à trouver des armes. Serait-il également possible de vous confier nos armures? Oui, je devrais pouvoir m'en charger. Oh, sérieusement? Haha, ça fait plaisir. Fabrication de protection. Vous pouvez aussi créer des armures à la forge par la Catherine et choisissez création d'armure. Je te recommande d'abord passer l'arme à plus 3 avant de passer au niveau supérieur. Ouais, c'est ce que je me disais, les caractéristiques seront meilleures. Ça roule. C'est normal, si je peux être utile pour vos expéditions. N'hésitez pas à me demander conseil. Donc après, il nous faudra du minerai de fer, des griffes de bêtes féroces, ça je sais où je peux en trouver, me semble-t-il. Ah, ça me file de la def après. Génial. Bon, on va déjà augmenter celle des autres, parce que le up, il est quand même assez ouf. Oui, marteau en acier, c'est quand même un peu plus stylé qu'une encre. Mais ça a plus ce petit cachet, tu vois, de l'encre. Truc de bourrin, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Une côte de maille. C'est génialissime ça, on peut en faire 3 en plus. Et un cuir à arriver. Ouais, ça augmente la taxe ça par contre. Je suis bien tenté plutôt de faire ça. Il n'y a pas grosse différence de def. Et il y a quand même une petite attaque plus 3. Après, quand on va améliorer celle-ci, à mon avis, ça va être nettement plus flagrant. On va mettre tout le monde au niveau 2. Oh, je trouve des griffes de bêtes. Ah non, lui, ça demande autre chose en fait. Donc c'est très bien. Même si celle-ci, je peux la mettre en plus 3 déjà. Et celle-ci aussi. Et peut-être l'autre aussi. Parfait. Que demande le peuple? Bon, par contre, je dois plus pouvoir créer d'équipement. Si je peux faire des trucs comme ça. Je peux en faire 3. C'est un signe du destin. En fait, les armures, on peut pas les améliorer. Mais ça me va très bien. D'où mon conseil de tuer tout ce qui bouge. Et c'est un bon conseil, mon ami. Ah, il y a de la quête. Fabrication d'une barque. Sur conseil du capitaine Barbaro, j'ai décidé de construire une barque. Tu m'aides à collecter les matériaux? Si tu veux, mon gars. J'ai besoin d'un peu d'entraînement. Elle veut du cuir épais. Je crois que ça, j'en ai. Il doit m'en rester, en tout cas. À moins que j'ai tout utilisé avec les armures. C'est pas impossible. Et là, c'est Barbaros. Un groupe de Yupa a été éliminé à la côte sans nom. Un groupe de Yupa a été repéré. Voilà, ils arrêtent pas de se reproduire, ces enfoirés de Yupa. Il va falloir leur défoncer la tronche. Je vais juste voir si je peux rendre celle-ci, là. Coudon. Non, elle veut pas couder. Ah, Adol, en fait, pour réaliser un nouvel ornement, je voudrais m'exercer sur une étoffe difficile à manier. Ça peut attendre que vous ayez un moment de libre. Si possible, pourriez-vous me trouver 3 morceaux de cuir épais? Ben, je les ai pas, alors. Ça doit vouloir dire que je les ai pas. Je peux peut-être les faire, par contre. Comment je faisais déjà pour... Ah oui, il fallait que j'aille à l'entrepôt. Et ben voilà. Même ça, je peux en refaire. Mais je vais pas le faire parce que peut-être qu'on pourra faire autre chose avec, j'en sais rien. Tiens, ben je peux en faire des griffes de bête féroce. Mais il m'en reste. Les meilleures armures seront chez elle. Adol, merci beaucoup. Je vais l'essayer immédiatement. Ce n'était pas facile, mais on dirait que j'y suis arrivé. Prenez ça avec vous. Cool. Quelle belle finition. C'est vrai? Je vais rougir. S'il s'agissait de mon mari, il aurait pu faire cela en deux temps trois mouvements. Ouais, j'ai bien compris que c'était chez la couturière que tu disais quoi. Malgré ça, je suis contente d'avoir réussi à finir cela seul. Je ne suis pas capable, comme toi, Adol et les autres, de porter une arme et de me battre. Mais en tant que membre du village et des naufragés, je veux servir dans le rôle qui sera le plus utile pour tout le monde. Je ne suis pas encore aussi bonne que mon mari pour coudre. Mais malgré cela, je ne manque pas de volonté et je vais faire de mon mieux. En tout cas, si vous avez quelque chose en lien avec la couture, laissez-moi m'en charger.
D'accord, là, de nouveaux accessoires du coup. Et voir ce que tu peux faire. Ah, j'avoue, il y a des trucs pas dégueux là. Putain, c'est abusé ça. Augite d'espoir, il faut de la fluorite. Attaque et def plus 20, PV plus 400, c'est ça qu'il me faut. Elle me fait marrer à essayer d'attirer mon attention. Ça marche en plus. Ah, c'est marrant ça. Faudrait que je les fabrique à terme. On verra quand on aura que ça à construire. Enfin, à fabriquer. Ok, c'est pas mal tout ça. Bien, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là pour ce soir. Malgré que je sois totalement en forme, j'ai d'autres trucs à faire. Faut me donner à bouffer au guépard là qui attend là. On se retrouve donc a priori demain soir pour une nouvelle session sur Is8 Lacrimosa of Dana. 20h comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Allez, ciao, bye bye.